Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing Diamond Painting. Oui, ça fait un petit moment, mais bon, comme vous saviez, là en ce moment, enfin les dernières semaines qui viennent de se terminer, il y a eu pas mal de chamboulements avec le nouvel an chinois, tout ça. Mais là, bon, c'est pas une boutique de Chine. Comme vous avez vu, c'est la boutique L'Éternel. La boutique L'Éternel avait été un peu prise d'assaut avec les soldes. Et du coup, comme j'avais parlé avec Maud, c'est la personne avec qui je discute régulièrement par email, m'avait expliqué donc qu'ils avaient été prise d'assaut avec les soldes. Donc le stock avait pas mal diminué. Tant mieux pour eux, hein, c'est très bien. Et du coup, elle attendait d'avoir les nouveautés pour pouvoir m'envoyer un kit. Voilà. Et en même temps, me parler d'une toute nouvelle nouveauté. Toute nouvelle nouveauté. Oui, bon. qu'il y a sur leur site. Voilà. Donc, je vais d'abord vous parler de cette nouveauté. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Dans la communauté. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est pour ça que je vais vous en parler maintenant. Depuis cette semaine, donc il y a une nouveauté sur la boutique L'Éternel. Vous pouvez commander des kits maintenant. Alors, ce sont des kits personnalisés, mais rigolos. Voilà, je m'explique. Donc, c'est des kits caricature, mais avec votre toutou ou votre chat. Si vous le souhaitez. Donc, vous devez envoyer... Donc, tout est expliqué hein, sur la page du site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Vous devez envoyer la photo de votre toutou ou de votre chat. Et vous devez choisir dans quel vêtement, quel costume vous voulez qu'il soit. Si vous voulez, ils vont récupérer la tête de votre toutou ou de votre chat. Et ils vont la mettre sur un costume. Donc, le costume, si vous voulez, ben là, hop, c'est comme un humain. Voilà. Donc, vous avez plusieurs sortes. Hein. Vous avez le médecin, vous avez... vous avez plein de choses. Je ne sais plus en tête. Je suis désolée. Mais vous avez plein de costumes que vous pouvez choisir. Pour votre ami à quatre pattes. Et donc, c'est eux qui font la découpe de votre photo et qui la mettent donc sur l'image que vous aurez choisie. Et du coup, ça fait c'est rigolo. Vous verrez sur la page les exemples que ça fait. Et je trouve ça vraiment super bien. Donc, c'est des... Bon, bien sûr, vous ne l'avez pas le lendemain, hein, parce qu'il faut quand même le temps qu'il fasse et qu'il fabrique votre kit. C'est comme un kit personnalisé, là. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus cher que les kits tout faits, bien sûr. Là, c'est normal, puisque c'est du personnalisé. Mais je trouve ça vraiment très rigolo d'avoir son animal de compagnie en caricature. Voilà. Et donc, là, pour l'instant, il n'y a que eux qui le font. C'est vraiment que la boutique L'Éternel qui le font. Donc, vous ne pouvez pas le trouver dans une autre boutique. Donc, si vous voulez avoir ce genre de kit et ce genre de photos pour votre animal à quatre pattes, bah, foncez sur cette boutique L'Éternel pour l'avoir. Voilà. Donc, moi, je vous remettrai les liens en barre d'infos pour avoir cette page et faire votre choix. Donc, je vous dis, vous téléchargez la photo de votre toutou ou de votre chat. Vous choisissez le costume que vous voulez sur le kit. Et après, vous faites comme d'habitude, hein, le paiement, etc. Et donc, il faut, je pense, une quinzaine de jours pour le recevoir. Mais voilà. Mais je trouve cette idée super rigolote et très mignonne. Voilà. C'est vraiment une très très bonne idée. Bon, pour l'instant, ils ne le font que sur les chiens et les chats.
Donc voilà, c'était la nouveauté qu'il y avait sur la boutique L'Éternel. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous intéresser. Alors là, aujourd'hui, donc j'ai reçu un kit, donc pareil, qui fait partie des nouveautés qui sont arrivées dans la boutique. Donc j'avais pas mal de kits à choisir, donc j'en ai choisi un. Donc j'avais, pareil, j'avais un peu de mal à choisir, hein. Vous savez, vu le nombre de kits que je commence à avoir, je commence à saturer sur mon choix. Donc voilà, donc j'ai reçu comme ça, vous voyez, la boîte est nickel. Alors, j'ai parlé avec Maud cette semaine, donc le 15. Elle a fait l'envoi le jour même, donc le 15, et j'ai reçu le kit hier, le 16. Plus rapide, on ne peut pas. Hein. Voilà. Donc, super bien emballé. C'était emballé dans un plastique vraiment super solide, parce que même au couteau, au ciseau, j'ai eu du mal à l'enlever. Voilà. Donc, la boîte est vraiment nickel. Hein. De toute façon, comme à chaque fois, jamais eu de problème. Donc, j'ai reçu en 24 heures. Voilà. En 24 heures, j'ai reçu mon kit. Donc, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce kit. Et je vous mettrai également le lien de la boutique. Voilà, pour vous découvrir tous les kits qu'ils vendent. Hop, voilà. Alors, donc là, c'est un kit. Je vais mettre le plastique là, sinon il va tomber. La boîte aussi. Hop. C'est un kit 40-50. Ce sont des perles rondes, si je ne me trompe pas. Oui, et voilà, ce sont des perles rondes. Donc, comme d'habitude, je vous montre le kit après. Je laisse la surprise. Alors, le petit kit, comme d'habitude, hein, le petit plateau, le petit carré de colle, le petit stylet. Bon, ça, ça ne change pas. Alors, là, ce qui est bien, et ça, j'aime beaucoup, quand c'est comme ça, c'est que les perles sont dans des sachets zippés. Ça, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, parce qu'au moins, quand il nous reste des perles, on les laisse dedans, on les range, et c'est déjà fait, on n'a plus besoin de les transférer dans des sachets. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Alors, je vais vous dire le nombre de couleurs. 27. Il y a 27 couleurs. Hop, hop, hop. Allez, sors de ce sachet, pas sors de ce corps, de ce sachet. Allez. Un joli violet. Voilà. Là, c'est un bleu vert. Voilà. Un vert poubelle, moi j'appelle ça. Un joli rose pâle. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Et les perles sont... Il n'y a pas de poussière dans les perles. Elles sont nickel. Je ne vois pas de déchets pour l'instant. Mais bon, j'ai déjà eu les kits de chez eux. J'ai jamais eu de problème. Voilà, encore un violet. Il y a plusieurs sortes de violets. Un autre vert poubelle, mais d'une autre couleur. Voilà. Hop là, viens ici, toi. Comme ça. Un gris beige. Un marron. Un marron rouge, bordeaux, on va dire. Un gris. Un marron, plus clair. Encore un autre bordeaux. Un vert turquoise, un peu. Les perles sont vraiment nickel, hein. Il n'y a pas de... J'ai pas de soucis, là, pour l'instant. Ah, là, une petite perle d'une autre couleur qui se promène, mais bon, c'est pas un problème, ça.
Ça arrive qu'il y ait une perle d'une autre couleur qui, hop, qui saute, qui arrive dans le mauvais sachet, mais bon, c'est rien, hein. On s'en fout, hein. Et là, est-ce que c'est bien ce que je pense? Oui, je crois. Un gros sachet de noir. Youpi! Voilà, un gros sachet de noir. Bon. Donc ça, ce sont les perles. Une très jolie couleur. Un très beau sachet de noir. Alors, maintenant. Ah, c'est une petite perle qui se promenait. C'est rien. Hop. Maintenant, le kit. Voilà. La toile derrière. Voyez. Nickel. Aucune rivière. Bon, il y a les plis, hein, mais ça, comme vous savez, moi, un petit coup de fer et on n'y voit plus rien. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, comment remettre à plat la toile avec son fer à repasser, je vais vous remettre ici, quelque part, ma vidéo pour expliquer comment on fait. Donc, vous n'avez rien à craindre avec le fer à repasser. Si vous suivez bien ce que je dis dans la vidéo, ce sera nickel. Et je vous la remettrai également à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer dessus et regarder cette vidéo pour comment? Pour pouvoir repasser votre toile sans problème. Voilà. Donc ici, alors j'avais dit 27 couleurs, c'est un 40-50, ce sont des perles noires, des perles noires. Ça y est, perles noires, je vais en faire un cauchemar. Et voilà le dessin, une jolie fée avec des belles ailes roses blanches. Enfin, pas, sont pas tout à fait blanches, mais elles sont grises, bleues, roses. Voilà. Elle est super belle. J'ai craqué quand j'ai vu le dessin. Je me suis dit, elle est trop belle. Malgré que le fond est un peu foncé. Vous savez que moi, les fonds foncés, j'ai un peu de mal, mais là, j'ai dit non. Elle est trop, trop belle. Je la veux. Voilà. Elle est vraiment trop, trop mignonne. Donc voilà. Donc niveau. Alors, je vais vous montrer niveau colle. Vous entendez? Ça colle. Hop, viens là, toi. Hop, 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 ça colle pas à l'envers. Ouf, j'ai peur. Alors oui, en voyant que ça se collait à l'envers, avant, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, là, vous voyez, c'est un plastique transparent. Donc, avant de commencer votre toile, donc, est-ce que j'ai ça ici sous la main? Attendez, je vais regarder. Bougez pas, ne partez pas. Ah! Regardez si j'ai ça. Je dois avoir ça sous la main. Ne partez pas. Bon, là, c'est des grandes, c'est rien. Je vais en couper une petite. Alors, si vous avez les gommettes, c'est bien. Vous savez, les gommettes, comme on avait quand on était petit. Hop. Allez, viens là, toi. Donc, je vais en couper un bout. Des petites étiquettes. Donc là, je vais en couper juste un bout. Voilà. Donc vraiment avant de commencer votre kit. Vraiment avant. Voilà. Vous prenez votre étiquette, une petite, une gommette, ce que vous voulez. Et vous le collez, direct avant, vraiment avant de retirer votre plastique. Vous le collez. Hop. Voilà. N'importe où. Mais vous le collez. Pourquoi? J'ai déjà expliqué, hein, mais pour celles qui n'auraient, les nouveaux abonnés ou pour celles qui n'auraient pas vu dans les vidéos. Parce que quand c'est du plastique transparent comme ceci, ce côté-là, s'il se retrouve sur la colle, vous allez en, je vais dire un gros mot, mais vous allez en chier pour le décoller s'il se retrouve sur la colle. Voilà. Donc, surtout, surtout, mettez
une gommette tout de suite sur le dessus avant de commencer votre kit. Comme ça, vous savez que ce côté-là, ici, il ne faut jamais le mettre côté colle. Voilà. Donc, moi, ça y est, ma gommette est mise. Donc, je sais que mon plastique est du bon côté. Voilà. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Parce que ce côté-là, ici, s'il se retrouve du côté de la colle, vous allez en chier, vous allez réussir à l'enlever, hein. Mais ça va, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas l'explication, mais vous allez galérer pour le retirer si ça se retrouve sur la colle. Voilà. Donc moi, ma petite gommette est mise. Donc quand je commencerai mon kit, je suis tranquille. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce que j'avais déjà donnée auparavant, mais j'aime bien la redonner parce que là c'est quand même important. Faut pas abîmer votre kit. Voilà. Donc voilà. Bon, moi, hop, je peux ranger ça. J'en ai plus besoin. Du coup, j'ai mis ma petite gommette. Enfin, là, c'est une petite étiquette. C'est pareil. Hop, allez, range-toi. Voilà. Donc, je disais, donc niveau colle, il n'y a aucun souci. Et niveau impression, je vais vous montrer. Alors, hop, hop, hop. Voilà, niveau impression. J'espère que ça ne floute pas. Vous voyez, l'impression est nickel. Donc, il n'y a pas de problème. Et niveau toile, alors je ne sais pas si vous allez le voir là, mais je vais essayer de vous le montrer. Alors, est-ce que... Voilà, ici vous le voyez. Vous voyez, la toile est pailletée. Voilà, bon, c'est un petit plus. Parce qu'après, on ne le verra plus. Hein, parce que si on l'encadre, ça, on ne le verra plus. Mais c'est juste pour vous dire que... Voilà, les toiles sont pailletées. Et elles sont assez épaisses. Hein. Voilà. Vous voyez. De toute façon, les toiles de l'Éternel, elles sont quand même de très bonne qualité. Je vous dis, moi, j'en ai déjà eu plusieurs et j'ai jamais eu de problème avec. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment de très bonnes toiles. Donc, voilà ma petite toile aujourd'hui. Donc, que j'aime beaucoup. Donc, celle-là, je vais peut-être la commencer pour faire entre mes deux grands kits. Parce qu'elle me plaît vraiment bien. Et ça me changera un petit peu entre les deux. Voilà. Donc, il faudra que je prépare mes perles dans une boîte. Parce que là, mes petites valisettes sont prises. Mais c'est rien, je vais faire dans une petite boîte genre pilulier. Là, vous savez, avec les petites boîtes amovibles. Comme ça. Ça, j'en ai une ici quelque part. Où j'ai ça? Allez, viens là, toi. Que celle-là, je ne l'ai pas encore vidée, mais j'en ai une autre qui est vide. Ah, viens là. Non, mais voilà, vous voyez, c'est là. C'est avec les petites boîtes. Hop. Voilà, comme ça. Et moi, voilà comment je les prépare, ces boîtes-là. Enfin, là, elle est prête pour toujours. Hein. Moi, je mets toujours les numéros. Je ne mets pas les numéros de DMC dessus. Je mets les 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puisque sur les références, de toute façon, de couleur, vous avez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc, moi, sur mes numéros de pilulier, enfin, de boîte de... Quand je fais le kit, hein. Je ne mets jamais les numéros DMC. Je mets toujours 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Au moins, comme ça, je ne remets pas de nouvelle étiquette à chaque fois. Ça ne sert à rien. Et j'use moins d'étiquettes. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Parce que j'ai déjà vu que certaines personnes qui font du DP remettent de nouvelles étiquettes à chaque fois parce qu'elles mettent les étiquettes, les numéros DMC. Mais en plus, je trouve ça casse-tête parce que vous cherchez... Je trouve que c'est... plus compliqué de chercher le numéro DMC sur sa boîte que de chercher les numéros tout simples, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà. Après, chacun fait comme il veut.
Je donne mon avis, c'est tout. Voilà, alors, quand vous avez, alors, je rappelle, quand vous avez une petite, un kit comme ça, feuille transparente, n'oubliez surtout pas de mettre votre petite gommette ou étiquette sur la feuille. Voilà, donc je voulais vous montrer aujourd'hui ce kit de la boutique L'Éternel. Donc je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires, le lien pour ce kit, le lien de la boutique et le lien pour les nouveaux kits, les caricatures de nos petits amis à quatre pattes. N'hésitez pas à les voir parce que c'est vraiment super beau. Je trouve ça vraiment très rigolo et puis très original. Voilà, vous avez votre petit ami à quatre pattes en moitié humain dans un costume. C'est vraiment très rigolo. Je vous laisse donc pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon DP. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.